Ok YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est toujours sur F1 2021 et cette fois on est parti pour la course du sprint d'Imola. On fera la course, la vraie course demain. Comme ça fait genre samedi la course sprint, dimanche la course truc. Je fais genre comme ça, c'était prévu alors que pas du tout, c'est en total freestyle. Et voilà, on est qualifié, je sais pas combien tième. On est 20e. Ok, j'ai rien dit. Donc voilà, voilà le palmarès. Allez, c'est parti! C'est parti, alors typique premier tour, j'ai un peu peur. Oh, Nunjo, il a perdu pas mal de place. Oh, Stroll! Non, oh, ça y est, frère! Pardon, excusez-moi pour ce cri aigu. Dis-moi pas que j'ai. Ok. Wouah, c'est quoi cette pilule, frère? Tu démarres pas trop mal, surveille les attaques de tes adversaires. Je démarre pas trop mal comme ça, je démarre pas trop mal. Je suis dernier, il me dit je démarre pas trop mal. Putain, Roger est encore full bouteille, hein. L'idée de mettre des boudins, putain. Wouah! Voiture qui a décroché. Par contre, là, ça commence à devenir cringe. Là, on est dernier. Ça commence à devenir un peu cringe, là, en fait. Ok. J'ai rien dans le cul avec cette merde. Plus vite, je fais ce que je peux, c'est ce que je peux, je fais ce que je peux. Si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Je fais ce que je peux, mais j'arrive pas à cette merde de voiture, elle avance pas. Faut que le virage précédent, faut que je le passe en deux. En trois, j'ai pas de patate. À la sortie de virage, en trois, j'ai pas de patate. Drapeau jaune. Oh, drapeau jaune, let's go. Daniel Ricciardo, ok. C'est foutu dans le mur. Drapeau vert. Ah. J'arrive pas. Oh, y a un problème aussi pour Bottas. Ouh, une petite hécatombe là de voiture. Il m'a fait peur, il a freiné.
La voiture de sécurité, ça m'arrange pas, hein, parce que ça va... Ok, voiture de sécu. Bon, je vais pas vous mentir que la voiture de sécurité... Ah ouais, est-ce que je rentrerai pas pour détendre? Eh ouais, ça aura bien vu l'analyse. Je crois que si. Bien reçu, me tendre à ton prochain arrêt. Bien, rentre à la fin de ce tour. Est-ce qu'il y a du monde qui rentre ou pas? C'est où? C'est là! Merde! Excusez-moi. Un petit peu de panique. Pas vous mentir. Un petit peu de panique. C'est rien. Ouais, t'inquiète, je vais économiser. Temps parfait. Je suis un monstre. Ah, les QTE, ça me connaît. Hein. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Bon, on va jouer à... des jeux Telltale et tout. QTE, ça me connaît. Ah, Lance Roll aussi a un problème. Ouh, ça enchaîne les problèmes, attention. Le problème, c'est qu'il est juste devant moi, donc il va me ralentir. Il va falloir que je le double assez vite. C'est le moment où on va s'emmerder. Au simple rythme, il faut qu'on soit à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous précède. C'est pas ici que Russell s'était mis dans... dans le tas... sous safety car il y a 2 ans ou 3. Prépare-toi à reprendre la course. La voiture de sécurité. Bon, les pneus sont chauds. Les pneus sont chauds. Il est interdit de dépasser jusqu'au drapeau vert à la relance. Safety car au stand ce tour. Ouais, c'était ici, hein. On est d'accord. Bon, les mecs.
Non, ils refroidissent les pneus. Ah, j'ai pas pris le... C'est pas le meilleur des envols, mais c'est pas grave. Ah, Stroll, il a des problèmes en plus de ça. Va falloir vite que je le double. Wow, comment il a glissé. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Oh, c'est pas propre. Ok. Vous savez c'est quoi les kamikazes? Voilà. Bienvenue sur le live, les mecs. Par contre, je suis en pneu rouge, là, je suis censé leur mettre la pilule. Hein. Ah, le gros carton avec Bottas, ouais, ouais. C'est vrai, je m'en rappelle. C'est 2020, je suis tellement intemporel sur les tout ce qui est année et tout ça. Pour moi, George Russell qui est chez Williams, c'est, ça fait pas 4 ans, ça fait pas 3 ans. C'est comme en NBA, genre les joueurs qui changent d'équipe, pour moi, ça fait pas il y a. Enfin, je sais pas. J'espère qu'il y en a un inquiétant parce qu'il est pas en mousse quand même. DRS a été autorisé, DRS disponible. Non mais du coup là on va tous se neutraliser. En vrai j'avoue que par contre pour le coup les courses sprint, vu que moi je roule en 50% sur les courses, c'est vrai qu'elles font vraiment très sprint et du coup les écarts n'ont pas le temps de se créer. En fait ça fait juste qu'on se suit. J'arrive pas à faire l'écart. Hein. J'arrive pas à. Quand même assez triste. Même très triste. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Eh ben les mecs, faut dire que j'ai eu chaud quand même, hein. On peut dire que je suis pas très long sur cette course non plus. Sur le circuit là. Faut dire que je suis un... Faut pas dire que je suis un ouf. Eh mais maintenant ils ont tous le DRS, oh chier. Oh.
Ouais, pas super concluant cette course sprint. J'espère qu'on fera mieux demain. J'espère qu'on fera vraiment mieux demain. Je vais essayer de rester devant Renonju. Je sais pas combien je démarrerai demain. Bon, une chose est sûre, c'est que je serai pas le pilote du jour. Hein. Bon, il est en train de me mettre une pilule l'autre derrière là. Attends, mais c'est même pas sûr que je finisse devant lui? Non. On raconte pas de salade là. Ouais, bah c'est pas terrible hein. J'espère que je ferai vraiment mieux demain parce que là c'est vraiment pas terrible. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est vraiment vraiment pas terrible. Puis Imola, je vous avoue que c'est pas un des circuits qui me plaît le plus. Ça me plaira toujours plus qu'un Monaco ou qu'un Singapour, mais... Mais c'est vrai que... C'est pas non plus le circuit qui me plaît le plus. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, mais ça va rendre les choses très intéressantes. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Aucun changement dans le haut du classement, mais après les résultats du jour, leurs concurrents se rapprochent. Nous connaissons donc maintenant l'ordre des pilotes sur la grille de départ, alors soyez avec nous demain pour vivre toute l'action de ce Grand Prix. Enfin, comment je vois pour... Je démarrerai combien du coup? Résultat du sprint. Résultat du week-end. Ok, d'accord. Donc c'est là. Donc logiquement, je démarrerai 16e. Juste devant Alexander Albon. Logiquement. Logiquement, je démarrerai 16e. Je vais aller chercher mon pote à la gare là. Faut que je regarde ce que je vais faire pour ce soir après quand je reviendrai un peu. Là on jouera un peu jusqu'à 22h. Du coup je commence combien? Attendez, on va juste lancer la course juste pour voir. La position, j'ai fini sur ma position sur la grille, donc 16ème, ok. Ok. Y a pas un délire avec les... Ah non, c'est quoi, c'est les sprints, c'est que t'es qualifié en fonction de la séance d'essai, c'est ça, non? Avant, Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en... Bon, c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. Je démarre combien? Je démarre 16ème, ok. Je démarre 16ème, ok. Bah écoutez les mecs, je vais aller chercher mon pote. Je serai de retour vers 20h30, même un peu peut-être avant. Et ce soir, je sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas. Faut qu'on finisse Call of Cthulhu, donc le jeu d'horreur pour Sora. Non, en vrai, je dis ça, mais c'est vrai que faire un jeu d'horreur, ça me plaît parce que, enfin, ça me plaît. C'est pas non plus un big fun de fou, mais je commence à, entre guillemets, y prendre goût.
On a Call of Cthulhu. Faut que je traîne sur LoL pour me remettre bien parce que j'ai pas joué pendant 2-3 mois là et que la saison va bientôt arriver. On a quoi d'autre? On a Dofus demain matin comme d'habitude, dimanche, donc on n'y jouera pas ce soir. Attendez, je suis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, les mecs. On est quasiment à 380. L'aventure Dofus a l'air de plaire. Donc ça fait plaisir. Les gens s'abonnent depuis que j'ai commencé l'aventure de zéro sur Dofus. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, Overwatch, j'ai une petite hype dessus, mais bon, j'ai un peu lâché. On a du Touquet, mais Touquet, je me vois pas faire du Touquet demain. Non, bah écoutez, je pense qu'on va faire. Je pense que tout à l'heure. Pourrais jouer avec mon cousin, je vous tiens au jus sur le Discord. Là, je vais lui envoyer un message tout de suite et je vous dis ce que je vais faire après. Mais en tout cas, c'est sûr, vers 20h30, je serai de nouveau dispo. Et voilà, j'aurai pas le temps de faire une course NASCAR non plus. Parce qu'à 22h, je quitte. Je fais mon petit réveillon. Donc voilà. Voilà. Non, je pense pas qu'on va faire du Dofus. Non, je pense qu'on va faire soit du LOL, soit du Call of Cthulhu. Voilà. Ou soit du Pokémon. Voilà, c'est entre les trois. Soit du LOL, soit du Pokémon, soit du Call of Cthulhu. Sachant que demain, on va faire du Dofus. On va faire donc la course. NASCAR. Faudrait que je vois. Attendez, je vais vous dire. Parce que NASCAR, je sais qu'il y en a qui veulent de la NASCAR le dimanche. La course de sprint. De base, je vais faire même qu'une seule course aujourd'hui. Mais vu qu'il y avait du monde et tout ça, j'avais envie d'en faire une deuxième du coup. Toc, je vais vous dire. Alors, je regarde ce que j'ai à faire là. Prochain stream, ce sera quand prochain stream? Il faudrait que j'arrive à stream lundi soir. Lundi soir, je finis assez tard, mais bon, j'ai que ça. Mardi, c'est sûr, je stream, je finis à 14h. Jeudi, je finirai à 17h, donc ça passe. J'ai du 18, ouais. Je pense que je ferai une course lundi soir. Je pense que je ferai une course lundi soir. En plus, ça sera le début de semaine, je serai pas trop crevé. Donc, je pense que je vais faire la course NASCAR. Donc la course NASCAR va être décalée lundi. Je vais faire la course F1 demain, entre du Dofus, et puis le dimanche après-midi, je vais voir si je le passe avec le cousin. Bon, en tout cas, les gars, je vous dis à vers 20h30, je vais speeder, la gare est pas loin. Donc voilà, et puis après je repartirai en live. Et puis le temps de me décider sur ce que je vais faire, je vous tiens au jus. Donc voilà. Donc à tout de suite, tout à l'heure, les potes. Comme ça, je vais en profiter aussi pour manger, parce qu'il n'est pas tout à fait 20h, je vais en profiter pour manger un peu, parce que je n'ai pas mangé de la journée. Et puis voilà, je vous dis, on va quitter le jeu. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront là, et merci à tous les nouveaux follow, merci pour le raid, merci pour tout, c'était vraiment cool, et puis voilà.